Et bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Troisième vidéo concernant Euro Truck Simulator 2 en compagnie de mon cher Thomas. Bonjour! Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez spéciale parce que c'est pas moi qui conduis. Aujourd'hui, ça va être Thomas. C'est papy Thomas qui conduit. Alors, et ça va chier les murs. Alors attention, hein, parce qu'il a fait une petite partie avant de filmer la vidéo. Je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. Avec Thomas, les accidents, tout est possible. Pas de stress, y'a presse. Voilà, ça sera le nom de cet épisode, de toute façon. Donc voilà, Thomas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas livrer? Et papy Thomas, aujourd'hui, je lève des pommes. Bon, bah alors ça va, c'est que des pommes, il y a combien de tonnes de pommes? Attends, je sais pas. Tu ne sais plus. Attends, je parle rien. La fiche, elle est là. Je sais pas, faut que j'aille chercher la livraison. Bon, ah oui, tout compte fait. Bon, alors on va te laisser. Alors, attends, aller chercher. Alors, la clé, je la mets où, la clé là-dedans? La livraison. La clé. Bah, la clé pour démarrer. Le E, la touche E. La touche E. Encore la touche E. Encore la touche E. Voilà, là c'est bon. Ça démarre comme sur des roulettes. D'accord. Alors là, le camion est impeccable. J'ai 5 millions dans cette partie-là. N'y faites pas. Enfin, n'y prêtez pas attention. Hein. Là, c'est parce que c'est une vidéo assez spéciale. Donc j'ai pris ma partie perso. Mais bon, d'habitude, c'est sous une autre partie, bien entendu. Donc, Thomas, on va voir comment il conduit. Alors attention, ça va faire mal. Ça dégomme. Alors c'est parti. Alors en plus, ta livraison, elle est pas loin. Hein. Dans une minute, t'arrives. Une minute. Bon. Ça va, c'est rapide. On y va, on y croit. Alors, surtout, ne soyez jamais dans la même cabine que Thomas. Parce que je peux vous dire qu'il en fait des accidents. C'est pour ça que d'ailleurs, je marque pas de stress. Y'a poisse. Voilà. Par contre, là, en plus, c'est bientôt arrivé là. Oula, oula, bah voilà, ça commence, sans s'interdit. Non, mais le feuille est rouge. Il est rouge, mais il faut attendre. Oh merde, là aussi, je me suis pas. C'est le but de la simulation, Thomas. Attends, on va passer ici. Oulala, oh là là, j'ai peur. Mais ça passe. Vous allez comprendre mieux pourquoi je vous dis de ne pas monter dans le camion avec Thomas. Oh, il y a les rambardes. Ah, mais je suis pas à voir là. Et c'est qu'un début, hein, vous avez encore rien vu. Attends, hop, on va passer ici. Thomas, c'est comme un camion d'ambulance. Il passe même s'il veut rouge. Voilà. Oh, mais c'est lui qui se met à côté de moi là. Ça commence bien, on n'a pas encore fait la livraison. C'est pas ma faute, c'est lui là. On n'a pas encore commencé la livraison et il y a déjà un accident. C'est déjà pas mal. C'est là, là. Ah, c'est à gauche. C'est à gauche. Ah, c'est pas speed. C'est pour ça que je préfère quand même préciser que c'est pas moi qui conduis. On arrive. Je prends pas de risque. Alors, on livre des pommes. 15 tonnes de pommes, mon ami. Allez, oh, bah, ça va. En plus, il y a 700 chevaux, je crois, dans le Scania. 730 chevaux. Alors, on démarre de l'île et on va. Tu vas pas le sentir. Et on va à Erfurt. Bah en Allemagne. Non, en Allemagne. Comme Dutch. Bon, bah Erfurt en Erfurt, que... Erfurt, ça peut être. Et là, vous entendez, bah, c'est Chris hein, qui est à côté. Ouais. Tout tranquillement, Need for Speed. Pour ceux qui ne connaissent pas Chris, j'ai créé une deuxième chaîne vidéo sous le nom Peter et Chris, justement. Là, on a commencé à faire des vidéos avec le jeu. Voilà, donc. Faudra qu'apprendre à le dire tout seul. Voilà, d'ailleurs, je l'ai mis sur la page d'accueil de ma chaîne. Donc, allez voir, on fait des vidéos ensemble. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Et ça roxe du poney. Vas-y, fais ta pub. Voilà. Ah, bah en même temps, c'est ma deuxième chaîne. C'est notre deuxième chaîne, parce que j'ai ma chaîne à moi, qui est Le Monde à Peter, et notre chaîne avec Chris. Donc, vas-y, fais ta pub. J'ai le droit, je suis désolé, c'est ma chaîne. Non, c'est ma vidéo. Ouais, d'accord. Voilà, voilà, une amende encore en plus, 350 c'est pas euros. Moi. Vous allez voir, je suis à 5, ah, pas lui, je suis à 5 millions d'euros, je vais descendre à 4 000. Je le sens. En plus, il y a 11 heures de route, alors imaginez. Il peut s'en passer des choses en 11 heures. Et là, tu as passé le feu, non? Non. Oh bah non. Ça va. Oh, pour une fois, alléluia. Mais je m'arrête. Hop là. Hop là. Il clique à droite. Je connais pas les clients. Alors on est parti de Lille, mais je sais pas si on va arriver à Erfurt. Erfurt, voilà. 50. 50. 50, oui. C'est marrant. Ils sont marrants. Mais on est. En plus, tu as, je crois, désactivé le limitateur de vitesse. Donc... Ah, pas sur cette partie-là. Ah oui, t'as des problèmes. Ah non, non, j'aurais pas dû lui dire. T'as bien fait, toi. Ah non, pourquoi j'en ai parlé? Parce que sous une autre partie, il l'a enlevé. Ah ben voilà. Croyez-moi, c'est pire. Ah, c'est fait. Donc voilà. Là, aïe, aïe, aïe. Là, ça va chier. Ah oui, c'est le cas de le dire. Il y a quelqu'un devant? Non, il y a personne. Il y a personne, donc tu peux y aller. À gauche, il y a personne, on s'en fout. À droite aussi, je passe quand même, je vous emmerde. Bah, papy est déchaîné. Heureusement qu'il n'y a pas les flics, mais attention aux amendes quand même, parce que... Moi, ça reste que là.
Je connais faut le avoir, quand vous conduisez avec Thomas, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent. Si c'est vous le patron. Parce que bon, juste Thomas, il fait 10 personnes en accident. Ça lui coûte très cher. Ah, très cher, oui. Ça, je peux le confirmer. Mais j'en ai le patron. Hein. Bah merci, c'est sympa. Ah, c'est toi, patron. Bon, bah t'es viré, mets-toi sur le côté, je reprends le camion. Ah non, non, tu donnes les sous pour les amendes avant. Ouais, donc. Je peux pas, j'ai un truc à faire, genre. Ah, bah ouais, mais bon, Thomas, hein, tu peux pas avoir l'argent et le beurre. Et puis la crémière. Voilà. Et puis la crémière. Bon, 10h50 de route. Attends, elle est moins 18 la chaîne là. Pardon? Elle est moins 18 la chaîne là. Disons qu'elle est ouais, accessible à peu près à tout le monde, donc. On évite les gros. Ou suce ton chien, ou ça on peut pas dire. Bon, suce ton chien, c'est pas méchant, c'est pas, après tout. Suce j'imagine mal, enfin bon. Ah bon, j'en connais qui l'a on fait. On va éviter d'en parler un petit peu. Oui, on va éviter de parler de tes ébats sexuels. Merci, ça me touche droit au cœur. Non, je t'affiche, c'est normal. Au secours, les abonnés, aidez-moi s'il vous plaît, j'en peux plus. Thomas, il est en train de m'embêter là. Des abonnés. Donc, tu l'as choisi. Hein. Donnez-moi les suggestions s'il vous plaît. En commentaire. Là, si je jette, je sais pas, de la farine. Oh, admire, tiens. De la bière. De la bière. Non. Pas de la bière. Vous allez nous traiter d'alcoolo, mais non. On va te faire taire, ça, regarde ça. Quoi, oh, non. Le pire, c'est que, à l'heure où au moment où je fais cette vidéo, je dis, on n'est pas des alcooliques, mais on est en train de boire un petit verre. Oh, ça arrive, hein, on fait comme tout le monde, après tout. Hein, Thomas? Il est 4h30 du matin. En plus. Ça va? Ah, ouais. Comme d'habitude, hein, on fait toujours des vidéos assez tard. Assez tôt, moi. Enfin, assez tôt maintenant, ouais, effectivement. Bon, pour le moment, je crois que t'as zéro dégâts, je crois. Ah, t'as pas fait d'accident encore. C'est qu'un début. C'est qu'un début. Pour le moment, il y a déjà des amendes. Par rapport à ce qu'il a fait tout à l'heure hors antenne, honnêtement, c'est rien du tout. Hors caméra, hors caméra. Bah, hors antenne, et oh. Ah, c'est très calme là. Bon, voilà, bon. 10h10 de route. Ça paraît long quand on a peur des accidents. Tout quand c'est sur camion, hein. Voilà, donc je sais pas si on va filmer la vidéo jusqu'au bout de la livraison. Je pense que ça vaut le coup. Parce que là, on va faire 20 minutes de vidéo. Parce que, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo que, vu ma connexion internet, si je mets plus de temps sur cette vidéo, ça va être très long à uploader. Donc voilà. Donc, bon, déjà, une petite 21 minutes, vous allez avoir une bonne démonstration, à mon avis. Ah, mais là, je pense que ça vaut le coup de la mettre en entier. Allez, on avant-goût de la suite. Allez, hop là. On la coupe pas entre. Oulala, oulala. Je suis fou. Un conducteur fou. Là, mes abonnés vont s'arracher les cheveux. Alors, ça vaut le coup de la faire en entier. Alors, est-ce que vous me dire, mais c'est qui ce mec qui conduit là? Il se prend pour qui là? C'est qui ce mec? Une voix bizarre et tout. C'est voilà, qui ce mec? Il est trop flippant. D'ailleurs, vous le retrouvez aussi, Thomas, dans Did Iceland. Hein. Dans la chaîne Peter et Chris, on l'a invité dans un épisode. Vous allez voir que c'est marrant aussi. Il faut encore de la pub. Ah bah c'est ma chaîne. Enfin c'est notre chaîne. Seconde chaîne. Ça passe à gauche, ça passe à gauche, mais ça passe. Hop là. En plus ça va, t'as le carburant plein, t'as bien dormi. J'ai pas le temps de m'arrêter là. J'ai pas le temps, désolé, j'ai une livraison. Ah bah là, vu les circonstances, à mon avis, et bizarrement, regarde, on est en train de boire une bière et voilà ce qu'il y a sur la vidéo. Sur la bâche. Oh le scalam, non. Ça incite ça aussi, ça incite les jeunes à boire. Buvez 5 bières par jour. Voilà. Comme les fruits et légumes, pas cher. Je crois que je vais faire traiter par la camionneur qui. Je crois. Ouais, j'aime bien, moi, j'ai le dollar. En plus, là, tu vas aller sur le national, je crois. Oh, ah non. Oh non, c'est encore l'autoroute. Je crois que c'est encore une autoroute. Ouais. Oh fuck. Oh shit. Je croyais que t'allais aller tout droit là. Non, tu me connais. Oh, justement. Justement. Mais parle de moi, l'enculé. Ah non, c'est vrai. Non, mais avec Thomas, je m'attends à tout. Côté conduite sur Euro Truck Simulator. J'aimerais bien retourner celui-là. Pardon? Non, le camion! Je me disais aussi. Non, retournez le camion! On va dire que j'ai l'esprit ailleurs, mais bon, on ne sait jamais, tout est possible avec toi. Mais j'aimerais retourner ce camion. Je peux? Bah ouais, mais ça va me faire des frais, même si j'ai 5 millions. Allez, fais le plus! Plus. Attends, il reste le bord de route! Ah ouais, j'aurais bien l'occasion de le faire par accident. Ah non! Non, sans vouloir! Oh oui, c'est vrai. Faire ça, c'est pas de ma faute. Vouloir, hein, mais tu le prévois quand même. Ouais, tu vois, ça, c'est pas de ma faute. Ça, tu le prévois. La direction, elle a un coup, Peter. Hein, regarde, c'est pas un truc bizarre là. Ouais. J'ai un petit doute quand même. Hein.
dépose-moi sur le côté de. Là, j'ai peur. Il allait dire Chris, moi je dis rien. Hein? Il allait dire Chris, moi je dis rien. Oh l'insulte. Ouais. Et encore là, bon, on s'en sort quand même bien parce que là on est sur l'autoroute. Sur la nationale, c'est à voir. Les travaux! Ah ouais, là si tu fais pas attention. Ça pique sa race. Et ça décoiffe surtout. Bon, là tu vas toujours tout droit. Bon, toujours. Ailleurs, hein. Raconte que tu disais que tu avais conduit aussi en sens interdit dans une autre partie. Ah oui, juste avant de venir ici, je vais être parti chez moi, j'ai conduit en sens interdit sur une livraison de 8 heures. 8 heures non-stop, hein, ouais. En sens interdit, imaginez. À 8 heures du jeu, bien sûr, à Paris. Ouais, heureusement. À peu près 115, 120 à l'heure tout le long. Ça, imagine. Ça m'a coûté très 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 cher. J'aimerais bien le faire, ça, tiens. Ah non, non. Allez. Qu'est-ce que les abonnés, ils veulent? Les abonnés vont se tirer une balle dans la tête, à mon avis. Si ça vous tente une livraison en sens interdit, vous le mettez en commentaire, je reviens ici et on en fait une. Ça risque même de faire succès, du coup, avec tes sens interdits. Qui sait. Peut-être tu devrais le succès de ta chaîne à moi. Ou alors on va me dire, ah non, plus de Thomas. Ah, ça plus de conduite, Thomas. Parce que ça casse. Hein. Bon, moi, je suis copilote, mais j'ai pas le choix, vu que j'enregistre la vidéo. Ouais, t'es à 126. On va arriver là-bas, c'est une compote. Oulala. Les pommes, les Scooby-Doo-Bee-Doo. Alors ça va, 8 heures. Enfin, tout peut arriver encore en 8 heures de route. 125 km, ça va vite. Surtout à 125, ouais. Ça passe très vite en même temps. Ah, c'est bien, ça va. Très bien, très gentil. Et il s'est dit, oula, il y a un fou qui arrive derrière moi, j'ai peur pour ma voiture, je vais me mettre sur la gauche. Il va me doubler par la droite, c'est qui ce mec? Ouais, déjà, en plus, là tu fais du slalom. Il a flippé sa race en fait. Regardez-moi le faire du slalom. Regardez-moi-le. Français. Taxi. On parle beaucoup français. Ah bah moi je parle comme je parle d'habitude. Voilà. 132. J'aime je m'emmerde pas. J'aime que celui-là. 132 km/h. 134. Oula. Comment je suis bon? Oh j'aime. 135. Un bel compteur hein, pour record. Encore ça, c'est des petits tournants. Alors, par la suite. Il clique à gauche. Je suis à gauche. C'est la lutte finale. Ah, par contre, c'est pour garantir 139 francs, je suis trop. Ouais, n'empêche qu'ils sont au courant que t'es sur l'autoroute parce qu'il n'y a aucune voiture depuis tout à l'heure. Ah, il n'y a plus personne. Il y a eu des fuites. Il n'y a vraiment plus personne. Et puis, du coup, c'est les abonnés qui ont balancé. Ils ont dit attention, il y a un fou sur l'autoroute. Ils se sont dit ouais, voilà. Cassez-vous. Ils sont tous barrés, c'est pas marrant. Ah, il y a un camion, oh, je me le fais. Ils se sont dit un petit coup dans le nez, peut-être. Donc, bon, on va tous sortir. Oh, je vais me retourner. Oh, oui. Oh, ah, non. Non, c'est pas long. Cette vitesse, c'est con. En même temps, il n'y a pas de tournant. J'ai essayé, hein, mais j'ai échoué. Ah, oh, mais ça va arriver d'ici là, je pense. Oh oui, restez en deux. Déjà, ça passe vite. Alors qu'on va la finir avant la nuit. Regarde, remarque bien, il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Ah bah, du coup, ouais, ils ont pas beaucoup de camions. Oh, on se la refait. Non, là, j'ai pas trop de vitesse. Non, on peut pas. Après ça, putain. Je sais pas si on va s'en sortir. Et t'as fait la guerre? Non, justement. Non, t'as pas fait la guerre, quand même. Non. Donc, justement, j'ai peur. N'aie pas peur, papy est au volant. Justement. J'ai mis mes lunettes. Hein. Non, c'est je crois qu'il faut des loupes. Hop là. T'as flippé, hein. Oulala, il prend la mauvaise sortie. Oulala. Ça, c'est une voie spéciale, papy. Oui, voilà. C'est pour pas qu'on t'emmerde, cette voie-là. Ça s'appelle la voie zébra. Pour véhicule lent, mais bon, là, ça va, tu roules assez rapide quand même. Ouais, c'est vrai, je vais me mettre là. Donc, Attends, je vais me mettre ici. Là, il y a personne, là, j'aime bien. Ah, c'est une troisième voie, la voie d'urgence, je suis désolé. Ah, bah oui, mais là, elle sert à quelque chose. Elle sert à quelque chose. Il faut s'en servir. Il faut pas laisser de côté. Et tout, il n'y a jamais personne. Autant voilà. L'utiliser. Pauvre petite voie, faut penser à elle. Bien sûr, à ne pas reproduire en vrai. Moi, je suis contre. J'imagine bien. Je suis contre la discrimination des travailleurs. J'imagine bien vous faire contrôler sur l'arrêt d'urgence. Bah quoi, je fais comme dans le camion, j'ai bon. On n'emprunte jamais assez cette voie-là. Je suis désolé, il faut la prendre. Prenez-la chez vous. Si vous avez le permis en vrai, prenez cette voie. T'as une 4 voies avec la voie d'urgence là. Bah ouais, nous aussi en France, on a des 4 voies. Il n'y a pas que les States, il y a la France. Surtout quand il y a les embouteillages. Oh, sur un pont. Oh, je vais me le faire contre le. Regarde, entre le camion et le mur. Là, j'ai peur. Oula. Oh, c'est beau. Oh, c'est boche. On peut dire des marques pour ta chaîne? Bah oui. Il y a 3 minimum. Oh, c'est boche. Oh, c'est maséfique. Ou Karcher, ou Black & Decker. Voilà, c'est fait. On peut bien. Voilà, merci Chris, on peut bien des marques. C'est un bon scagnon. Ah, bah voilà, c'est fini. Écoute, je suis même pas au courant qu'il faut pas prononcer plus de 3 marques. Tu vois, tu m'apprends une chose. Si t'en prononces une, t'en prononces 3.
C'est comme les insultes. Favoritisme. Au-dessus de 3, tu peux pas. Oh, ouais. Beat shot. Hop, oh, allez, on peut parler. Voilà. Au moins, c'est direct. Oh putain. Et voilà, c'est bon. Je vais fermer. On approche d'un aéroport. Un aéroport. Hein? Qu'est-ce que tu dis? On approche d'un aéroport. Hein? J'ai pas compris. Un aéroport. Bah, je sais pas, j'ai vu des trucs bizarres avec le vent et tout. Oula! Ça va plus là! Mais non, je te jure, il y avait des drapeaux. Oh, me fais par la droite! Celui-là! Non, t'as une sortie là! Manque de bol! Faire par la gauche. Alors, si, la traditionnelle, comme tous les autres, comme tous les chauffeurs ennuyants, on va la faire par là. Respirez, on est bientôt arrivé. 5 heures de route, c'est long quand on a peur, mais ça va arriver. Comment ça passe? Eh, pas de dégueu pour l'instant, pas de dégueu. Je te dis, à Cascagna, je me sens plus. Oui, pour le moment! C'est tout. Mais on n'est pas encore arrivé, Thomas. Ça me fait peur. Parce que là, en plus, en même temps, tu me dis ça. Mais en même 145. Temps, on est sur l'autoroute. Ah, 145. 145 km/h. 147. 150. Allez. Oh, 150. Ah, je traque. Oh. A plus là. 160 bientôt. Je dis bien bientôt. Parce que là, il y a une montée. Le moteur va tomber. Hein. Tu vas voir, le moteur partira. 155. Oh non, il est à 155. En plus, t'as une sortie, manque de bol. Donc, je la prends 50 à la foudre. 150, ouais, tu vas te retourner là. Eh ben voilà, tu parles 1%, d'accident. 1% seulement. Bon. Deux fois. On va ralentir un peu, on sait jamais. Bon, ça va, 155, ça bord court. Ouais, c'est qu'un pour cent de dégâts pour le moment. C'est peu la vitesse où j'étais quand même, c'est pas mal. Bah, disons que ça paraît un peu bizarre que c'est un camion qui double une voiture. Oui, surtout cette vitesse-là, c'est vrai. Voilà. Élémentaire, mon cheval. D'habitude, bon. Ça me paraît étonnant, mais bon. Il y a 730 chevaux quand même. Hein. Oui, il y a des bonnets. Tout en vitesse. Aussi. C'est vrai. Alors, ça va. Débridé, c'est plus agréable, moi je dis. Après, ça dépend des goûts. Moi, je préfère quand même limiter, c'est plus réaliste. On préfère quand ça va vite, moi, tu vois. Donner des sueurs aux propriétaires des camions. Tu nous fais un petit. Là, en fait, tu nous fais un petit Need for Speed Underground, quoi. Exactement. D'ailleurs, Chris qui est à côté de nous joue à Need for Speed. Elle aussi, hein. Voilà. Ça se trouve, on va peut-être voir Chris dans Need for Speed apparaître aussi dans le jeu Euro Truck Simulator. Je vais le doubler. Voilà. Et je suis sur le deuxième boss, là, le chinois. Ouais, parce que je connais pas son nom, il est chinois. C'est... Bon, déjà, tu sais qu'il est chinois. Bon, c'est déjà ça. Konnichiwa. Bon, non, on rigole. T'as fait de faire dans une heure, toi. Bah, bien sûr qu'on rigole. Ah, on a une bande de potes, on se fait la gueule. Oh, faut savoir rigoler. Après, bah, voilà. Ouais. Y'a rien de méchant. Ah non, mais je suis concentré, je regarde, je me concentre pour toi en fait. Ah, sur l'autoroute. J'ai peur. Non, mais en fait, t'as dire je te laisse parler et moi je me concentre. Et quand je parle, c'est toi qui se concentre. Ok, vas-y, bah, concentre-toi. Comme ça, je suis au cas où, moi je suis là à côté, je suis le copilote. Donc au cas où, je tiens le volant, je mets le coup de frein à main, hop, on reparle plus. On me censure. Bip bip bip. On me censure. Doublement de sûr. T'as un camion à deux. Au pire, c'est toi qui aura des problèmes, hein, c'est toi qui parle. Bon, on ne connaît pas, on a quand même mon nom. Hein. C'est Thomas. Et moi, voilà, je l'ai dit. Et elle n'a pas mon nom, hein. C'est. Non, je vais pas le dire. On sait pas où j'habite. La forte. Ah ouais, mais c'est pas moi qui a prononcé, hein, je suis désolé. Mais moi, j'ai rien dit, si ça, c'est ta chaîne, c'est ta responsable. Hein. Oh bah merci! Il faut censurer, hein. Tu mettras des bips au montage, toi. Ouais, voilà, bah, ça en fait un paquet! tout le monde des vidéos. Bip! Alors que ça? Ah, y'a un papillon qui m'énerve. Dans 3 heures qu'on arrive, hop. C'est pas dit qu'on arrive en entier. À ce tarif-là, ouais. C'est pas franchement, là, on a déjà fait un quart de. Ben, 3 quarts de. La solution qui pourra te sauver dans le jeu, c'est qu'il est à court d'essence. Au moins, il n'y a pas d'accident. Franchement, là, tu peux pas compter là-dessus. Je pense mais bon, que là, vu le carburant qui reste, à mon avis, voilà. Mais il n'y a que 12 vitesses en plus, on peut pas aller bien vite. Il y a toujours 12 vitesses. Non, mais non, il y en a à 14 vitesses. En une fois, en une fois, j'ai niqué le boss. En une fois. Bon, attention. Boum. Oh, le dépassement dans les virages, j'adore. Oh, les bonnes assertions, oh oui.
Il y a des moins de 18 ans qui battent. Attends qu'ils matent pas moi, genre. Je m'attends la vidéo. Moi, surtout, ne mettez pas cette vidéo. Hein. Au pire, je marquerai interdit aux moins de 18. Ouais, voilà, ça attirera les moins de 18. Je mettrai en image moins de 18 ans interdit. C'est une bonne solution, parce ça. Parce que là, bon. Quand t'as tous les mineurs, oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans votre truck? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans la cabine? Ils ont pris une putain de stop. De toute façon, je l'ai dit, hein, c'est une vidéo assez spéciale. Donc, avec un invité assez spécial. Voilà. Très spécial. En plus. Et je t'emmerde. Moi aussi. Mais je t'enclume. Bon, bah, je crois que là, on va devoir finir la vidéo. Ça va faire 20 minutes. Il reste plus 3 heures, merde, je peux arriver. Ouais, mais le problème, c'est que le temps d'uploader avec la connexion qu'on a. Ouais, franchement, là, pour 2 heures, c'est pas top. Non, la manœuvre. Je mets au moins 7 heures et plus d'une vidéo. La manœuvre, elle vaut le coup, là, je crois. Même compressé, tu vois. Donc. Toi, t'es plus bon que compressé. Hein. Ça, c'est fait. Tu sors. Tu sors. Oui, mais. Oh là, oui, là, oh oui, tu sors. Oui, oh, mais. C'est bon, ça. Mais le con. Il sait conduire. Et avec un volant aussi. Que toi, tu utilises le clavier. Que moi, je roule vite. Non, allez, cherche pas, je t'ai cassé, tu ah sors. Non, mais moi, j'utilise un volant. Tu sors. Allez, tu sors. Moi, j'utilise un volant. C'est différent. Mais moi, j'utilise un volant, mais en vrai. Ah non, au clavier. Mais non, ça, c'est pour m'amuser, ça. Au clavier, c'est moins marrant qu'au volant. Ah, au moi, volant, c'est moi, mieux. Je pour de vrai, moi, je permets tout. Je oh, l'ombre est apparue d'un coup, oh le lag. Ouais, des fois il y a des petits lags. Des fois, ouais. Non, c'est des fois, en fait, c'est oh, des fois il n'y a pas de lag, en fait. Non, ça dépend, c'est de temps en temps, ça. Je sais pas combien. Des fois, tu vas en avoir 2-3, et puis d'un seul coup, plus rien. Prends, plus rien, c'est bon, quoi. T'as le moteur, il souffre. Ah, ouais. Mais c'est tout, il est là, qu'est-ce que je fais? Je peux pas aller plus loin, moi, je peux pas aller plus vite, hein. Tu te déviens, c'est pas. En même temps, là, c'est bizarre que tu rattrapes toutes les voitures, quoi. T'as qu'à remarquer que depuis que tu roules plus vite, les voitures roulent plus vite. Ils ont peur. Ouais, ils ont peur de plus vite. Ils ont peur quand même. C'est-à-dire que c'est classé, les deux. Là, ils sont en train de te dire, oula, il se passe quoi? Ah, là, ce sont trois voies. Putain, trois voies sans prise. Allez, quatrième voie. Hop là. Oh merde, il y a une sortie. Ah bah, oh là, voilà, voilà. C'était voilà, forcé, voilà. C'était forcé. 7%. C'était 400 euros d'amende. C'était forcé, j'aime pas. C'est intelligent. J'allais t'apprendre la sortie. Hein. J'avais pas trop le choix. Hein. Oh là. Heureusement que t'as pas coupé, on aurait loupé ça. Ah ouais? Eh, ça prouve bien en même temps que tu fais des accidents. Ah, mais très peu comparé à tout à l'heure. Tout à l'heure, on arrive à 30. Ah oui, tout à l'heure. 34% tout à l'heure. Oh là là. Mais ça roulait encore, hein, c'est ça le pire. Ça roulait encore. Pour le moment, on a encore 1h45 de route. Bon, ça fait quoi? Ça fait 5 minutes avec moi. Même pas, 3 minutes. Ah ouais, ouais. Ah non, il y a la manœuvre. Tu attends de vitesse. Ouais, il y a la manœuvre, peut-être 5 minutes. Oh, délacé, j'adore. Là, on peut se retourner là. Bah ben là, tu verras. Là, on va se retourner là. Je suis pas sûr. Mais si, on va se retourner. Fais-moi confiance. Tu fais confiance. Là-dessus, tu peux rentrer sur moi. Oui, mais le truc, c'est que si tu fais un accident, oui. Tu vas peut-être avoir 3 heures de route en plus, sachant que la vidéo ne peut pas faire plus de 20 minutes. Donc ça va poser petit problème. Eh ben, je prends un cri que je redresse. Ça va faire, au lieu de 20 minutes, ça va nous faire 40 minutes. Non, un truc comme donc, ça. Donc. Bah, c'est quoi, c'est comme ça, tu sors et tu pousses. Je pousse. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, pour une fois que je freine. Avec cette vitesse! Attends, c'est le premier coup que je t'as freine. T'as plus de 80 km/h, c'est 70. C'est mais c'est la première fois. 80, pardon. Attends, c'est la première fois depuis le début que je freine et même avec cette vitesse. Non, mais allô quoi. Ah, mais tu freines au dernier moment. Ah, mais attends, je freine, c'est déjà beau quoi. Depuis tout à l'heure, j'ai pas utilisé cette touche, je me disais merde à quoi elle sert. Ah, oui, elle sert quand même. Là, faut que je la fasse enlever. Seulement que je fasse enlever cette touche. C'est rien du tout. 120, ah là, ça va rouler là, très bien. Ah, elle part en doublé, c'est quoi, bordel? T'as vu le panneau les... Ouais, mais j'ai pas con... enfin j'ai pas très bien vu. Si, les véhicules marqué. Rouges, ils ont pas de doublé, les véhicules noirs. Je suis en train de chercher, là. Ouais, je suis en train de chercher, là. J'ai essayé de capter, là. Les poids lourds, ils ont pas de doublé les voitures. Donc, j'ai de quoi regardé. Les poids lourds, ils peuvent pas de doublé les voitures. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, hein. Parce que là, il y a un bus là, sur la voie de gauche, mais il goûte personne, mais je sais pas ce qu'il fout, là. Rabat-toi, connard. Rabat-toi. Fils de ta maman. Ah, il tourne dans les gros mots, déjà. T'en dis un petit peu trop là. Merde. Ça va être censuré, ça, je crois. Comme Coluche. Oh, Coca-Cola. Hein? Ouais? Non. Ah, mais non, ça s'appelle bière. Oh. Oui, c'est Coca-Cola. Attends, ils ont dit qu'on pouvait pas doubler les voitures, nous, les camions. Mais on peut se demander entre nous. Ah, le bus, qu'est-ce qu'il fait le bus? Oh le bus! En vrai, alors. Bah ouais. Oh le bus! Non mais le bus, ça fait me casser les couilles. Oh le bus! Les roues.
Il va falloir que tu mettes des bips en fait, hein, parce que. Je m'en fous, je me le fais freiner, tiens. Hop, allez hop là. Je t'ai eu, connard. Il a charné là, Thomas. Ah, je suis chaud là, je suis bientôt arrivé. Il a charné sur le jeu là. Je suis bientôt arrivé là. Il se lâche là. Ah, là on a, franchement, j'ai vu 11 ans, je me suis dit, oh putain, ça fait une heure ça. Même pas, une demi-heure. Oh, je suis bon, j'attends. Hein. Encore ça, t'arrives rapidement parce que bon, t'as plus le limitateur vitesse. Ah bah, du coup, là, je suis plus limité là. Donc bon. Il est bon, papy là. Il est bon, papy. Il est papy Jojo. Bon, ah, mais ça va vite quoi. Ah bah, ça va beaucoup mieux comme ça. Hein. Ah, on va se retourner. Là, dommage. Ah non, pour Papouas. Pas maintenant, pas à la fin. sur une autre vidéo, on fera ça. Si ça vous a plu, vous le dites en commentaire. Et si vous voulez que je me retourne, on fera ça dans une autre vidéo. Alors on n'oublie pas, si ça vous a plu... Oula, je... Ouais, vas-y, je te laisse finir. Alors vous demandez surtout donc une vidéo en sens, un contresens sur l'autoroute tout le long d'une livraison, hein, d'accord. Et bah du coup qu'on se retourne sur une prochaine vidéo, si ça vous tente. Hein. Ah bah je crois qu'on va le faire tout de suite. Ah non, c'est bon. Je crois qu'ils vont te marquer tous. Non. Ça peut être marrant, on s'en fout, c'est pas leur sous, c'est pas leur partie. Non, mais bah oui, c'est les miens. C'est marrant. C'est de l'humour, merde. Ah c'est bah tu l'as. C'est toi qui l'as mis de ton passé. Hein, c'est l'autodérision, bordel. Ok, fait, là. N'allez pas le prendre mal. J'adore casser du sucre sur le dos de ton public. Ouais, non, je vais saturer. Censurer. Ouais, ça. Oh putain. Wouah. Oh là, franchement. Oh là là. T'as eu de la chance. Je l'aime. T'as eu de la chance. Oh, il avait la vue extérieure, la honte. Ouais, non, c'est pour voir ce que je transportais en fait. C'est confidentiel, c'est ça? Continental. Confidentiel. Merde, on a un truc de l'armée super classe. Continental. Eh, c'est une vraie marque ça. Bah oui. J'ai installé la... ah, oui, le mode vrai, logo réel, enfin entreprise réelle. Ah, c'est pour ça qu'il y a Coca-Cola et tout. Ouais. Eh ben, j'ai pas doublé d'ailleurs lui. Non. Non. Pas encore. Tu as doublé lui? Non. Bah, hop, c'est fini ça. Si, j'ai doublé lui. Ah non, reste un man. Hop là. Hop. ACA, gauche, feu orange, à l'orange, tout s'arrange. Oh, puis y'a pas d'amant. T'as été chanceux là sur ce coup-là. Moi j'ai un forfait chez les flics à force, tu sais, j'ai pris un forfait, un abonnement. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ben voilà, on va arriver, t'as vu. On arrive dans 0 minutes. Ah, c'est bon, t'es là. Je sais, arrive. Mais laisse-moi arriver. Je crois qu'il est tout droit. Attends, je voulais faire un truc super bien, je vais me retourner juste devant. Fais chier, bon, par contre, elle est où la place Ah ouais, entre les... Elle est carrément derrière, ouais. Ouais, d'accord. Bon allez, on se la fait en fermant les yeux. Aïe. Non, je rigole. Ce serait trop prétentieux de ma part. Allez, on sort la tête. Ah, y'a du punch, mais on marche arrière. Hein. Ça va, du premier coup, quand même. Bon, je suis comme ça, moi. Toujours tout droit. Encore. Voilà. Oh mais quel talent talentueux. Excellent. Hein. Bon travail. Bah oui, t'es à la... Enfin non, t'es à la bourre, non, vu que t'as grillé tous les feux. Oh, 2% de dégâts. Dégâts, ah bah voilà. Bah oh, voilà, c'est bien. Bon bah voilà, c'était l'épisode 3 de Road Truck Simulator 2. Merci Thomas d'avoir participé. De rien, merci Peter pour ta confiance. Bah à la prochaine pour le 4e épisode. Ciao tout le monde. Bisous, je vous aime.